Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité enfant. Que ce soit un bébé à l'avant ou les enfants à l'arrière, il faut quand même connaître quelques détails. Pour commencer, pour les enfants à l'arrière, vous allez dans voiture et direct dans contrôle rapide, vous avez verrouillage, neutralisation pour bloquer les commandes des vitres arrière, sécurité enfant pour empêcher à l'arrêt l'activation des portes arrière. Il faut savoir que, norme d'origine, dès que vous commencez à rouler, les portes ne s'ouvrent pas, les boutons sont désactivés, seules les commandes d'urgence sont accessibles et permettent de déverrouiller la porte. Voilà. Et enfin, si vous souhaitez mettre un bébé à l'avant, il va falloir désactiver l'airbag passager. Pour ce faire, il faut que vous ayez appuyé sur la pédale de frein et que vous soyez dans le menu, en fait, prêt à démarrer, quoi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez ensuite dans sécurité, vous descendez et là, vous avez juste ici, voilà, airbag frontal passager. Vous appuyez sur off. Voulez-vous même désactiver? Oui. Et là, on voit en haut à droite le logo airbag passager désactivé. Alors, c'est assez discret. J'aurais bien voulu que ce soit bien flagrant, histoire qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Et une fois que vous souhaitez le réactiver, vous appuyez dessus. Ça vous ramène directement dans sécurité. Et là, tout ce que vous allez faire, c'est hop. Il faut bien sûr être en parking et le véhicule démarrer. Car si vous n'y êtes pas, ben, les accès sont grisés. Vous voyez, si je passe en drive, c'est grisé. Normal. Il faut avoir voilà, un minimum de marée. Si vous montez dans la voiture et que vous essayez de le toucher, ben, il sera pareil, grisé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura appris quelque chose. Et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!